Je donne à manger à mes hommes avant de manger. Merci madame. Ça c'est beau ça. Vraiment. Ouais. Elles sont belles les saucisses. Et on savait qu'il fallait faire chasser le mal. Donc quelques. Tu veux dire ? Non. Quelques dizaines d'années. Auparavant, on faisait des saignées, on avait enfin compris que les saignées affaiblissaient l'organisme. Thank you.
Oh. Ok. Hop là. Hop. Au bras, au cas où, petit rappel. Déchirez la carte. Amorcez. Permettez. À gauche. Tirez la baguette. Oui. Cartouche le canon. Tirez la baguette. Thank you.
Décret impérial organisant la Cour des comptes ratifie un traité fixant les frontières entre l'Autriche et le Royaume d'Italie, puis fomente une alliance secrète avec l'Espagne visant à démanteler le Portugal. Il aime profiter de ses séjours pour chasser, pour procéder au grand baptême ou aux mariages impériaux que rendent possibles les 600 appartements qui peuvent accueillir quelques 1000 personnes. Enfin, le calme revenu, l'empereur profite des grands espaces du domaine. Promeneur solitaire, il est un adepte assumé des conseils avisés de Mousseau. Il se repaît. Les essences d'arbres de la vaste forêt s'éloignent pour oublier la pesante étiquette, comme il le faisait déjà plus jeune. Sur les hauteurs d'Ajaccio, il abandonne facilement un protocole qui ne lui ressemble guère. La nature est omniprésente. Environné de verdure à Fontainebleau, il redevient un peu l'enfant de Corse. Ensuite, revenu près du château, il profite du jardin des bois auquel il accède directement de ses appartements par un escalier extérieur. Selon ses désirs, le jardin de la reine, devenu jardin de Diane, ainsi que l'ancien jardin des pins, sont redessinés selon un tracé à la mode. Il bénéficie également du petit jardin des pins créé sous le règne de François Ier et...
belge. Napoléon sera bientôt de retour. Bonjour. Situation économique et financière, le genre du pays, les tentatives d'assassinat ou les rumeurs d'éloignement proviennent du congrès de Vienne, l'incite à prendre les devants. Portez ! Il débarque à quelques jours le 3 mars 1815 et proclame la victoire marchera au pas de char, l'aigle avec les couleurs nationales. Vive l'empereur! Ils ressortent leurs cocardes tricolores et même leurs aigles, qui verront tomber dans la citerne à l'abri des regards. Comme il le dira plus tard, rappelons le temps jusqu'à Grenoble avant de mourir. Après cette étape essentielle, il redevient prince. Cette même scène de liesse collective se reproduira tout au long de la route qu'il emprunte ensuite, notamment à Lyon et Auxerre, où le rejoint le maréchal Ney. Le 19 mars, enfin, il est de retour ici, à Fontainebleau. Pendant quelques heures, ce 19 mars 1815, il retrouve les lieux qui ont tant compté. Et le lendemain, si tu as appelé la nation à prendre les armes, je me tenais prête à me battre et à négocier. Hélas, personne ne l'écoute. Il en croit de moi que je l'écoute. Ces derniers mots résonnent encore dans mon esprit. Ayez confiance en moi. Oh, Votre Majesté, Louise. Avec courage et dignité. Malheureusement, son entourage lui fait défaut. L'impératrice est de plus en plus isolée. Mal conseillée, elle vit dans la peur pour elle et son fils. Madame, nous partons. Adieu. Tout le monde demande à me quitter. Cela me dégoûte bien pour cette terre, parce que j'y vois trop ingrat. Votre Majesté, voici une lettre de l'empereur. Pour l'empereur d'Autriche, bien madame. Ma position est affreuse. J'ai l'impression que mon père me sacrifie au profit de son alliance avec les autres puissances européennes. La paix est à ce prix. Attendons la réponse de votre père. Votre Majesté, voici une lettre de l'empereur d'Autriche. Vous êtes ça, vous êtes censé assurer ma protection, mais je crains que vous soyez fait prisonnier. Mon fils et moi. J'ai bien peur que vos voitures soient pillées. Orléans, quel soulagement! Fils, que de rejoindre mon père. Sage décision. Votre Majesté, voici la réponse. Mon impuissante faiblesse dans ce tourbillon d'intrigues et de trahison. L'impératrice partit de Rambouillet sous escorte autrichienne le 24 avril 1814. Elle quitta la France le 2 mai sans s'arrêter à Aix-les-Bains. 20 jours plus tard, elle était à Vienne,